Bonjour les Krugistanais, bienvenue sur Mountain Blade avec le mode Prophecy of Power. Nous venons tout juste de défoncer quasiment tous les vassaux bleus, Ravenstern. On en a capturé pas mal, mais il y en a un qui s'est enfui. Donc, alors, bon, ça c'est la première chose. Donc première chose, on va aller à l'Aria tout de suite pour mettre les gars en prison, en espérant qu'ils aient moins de chances de s'enfuir. Deuxième chose, grosse déception, j'ai donné Reign à l'étal d'Iran, le Noldor. Et malheureusement, il nous a fait une garnison de Ravenstern, plutôt que nous faire une garnison de Noldor. Donc je suis un petit peu triste. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de choper Nabi avant de passer, non? Allez, on y va. C'est quoi ça? Merci. Bon, j'ai plus de... Je me suis fait péter mon cheval, je crois. Non, 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 je garde les... Melitin Scouting Fort? Qu'est-ce que c'est? Ok, alors... Attends, déjà, on va regarder s'il y a une prison, parce que je suis pas sûr. Il n'y a pas de... Ah. Prison Tower, c'est bon. Mais non, je libérerai pas, surtout le roi, peut-être d'autres vassaux si j'ai besoin d'un peu d'argent. Mais le roi ne... Non. Le roi, il reste là. C'est terminé, il n'y a pas de... Je suis pas votre pote. Ça va bien les conneries. En plus, tu vois, ils m'ont vraiment... ils se foutent de ma gueule parce que tous les seigneurs sont allés chez lui. Il n'y en a pas un seul qui est venu chez moi, je trouve ça vraiment... Ouais, bon, après c'est peut-être un parti pris des modeurs en se disant que, tu vois, arrivé où j'en suis, si en plus j'ai des vassaux supplémentaires, ça va être trop facile, peut-être. Bon, j'aurais bien voulu récupérer quelques gars avec lesquels j'avais monté mes relations, quoi. Ne serait-ce que cela, ouais. Moi, je suis un peu déçu, Donc, bah, du coup, je suis plus leur copain, hein, et je fais du boudin. Quoi des Snarsnix et des Hopman? Non, les monte pas ça. C'est bon. Alors, go to le castle. Salut le castle. C'est qui le mec là-bas? Ça doit être un. On s'en fout. F. Alors, War Room. Ouais. Pourquoi je peux en faire qu'un? Oh, d'accord. J'ai plus assez de prestige pour entraîner mes troupes. Oh, bah ça c'est... Merde. Oh, bah tristesse. Tristesse. Alors. Non, non, stop, 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 stop. Non. Malheureusement, je ne peux pas prendre mon armure Noldor que je me suis fait chier à acheter, à machin. Tristesse, encore une fois, ouais, vous déconnez là les gars, hein. Franchement. Il y a deux trois trucs, on se fait une joie de le faire, et puis finalement... Donc, par contre, je vais aller voir la taverne. Là que j'ai donné l'étal d'Iran, est-ce qu'il y aurait pas moyen? Non. C'est tel que j'aurais pu avoir un gars maintenant, quoi. Armand, qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, ça m'intéresse, ça. Bouge pas. Guildmaster. Ah, mais non! La garnison, voilà. Parce que je peux peut-être... Hop. Ouais, je peux prendre tous les... Voilà. À part, bien sûr, les copains, quoi. Et tout ça, on va le récupérer, et puis on va aller le vendre tout de suite à l'auberge, tu vois. On va faire de la place. On va nettoyer un petit peu les geôles. Les geôles. Mais t'imagines une ville avec tous ces prisonniers-là, tous ces prisonniers politiques. Normalement, ils devraient m'envoyer toutes leurs armées. Hein.
Ok. Taverne. 7000 boules. 7000 boules! C'est bon ça! La garnison. Il y en a encore un petit peu, normalement. 3-4 gars qui traînent par-ci par-là. Tiens, il y en a deux ici. Il y en avait un là. Je crois que c'est terminé. Ah, attends, j'en ai peut-être vu passer un, non? Ok. Mais le nombre de prisonniers, bon allez, on va pas se faire chier pour les trois derniers. Donc, alors attends, j'ai pris mes chevaliers. Ah, donc du coup, ben, je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que j'ai plus assez de points de prestige. C'est un petit peu triste quand même. Comment je fais pour en avoir des nouveaux? Alors du coup, on va en profiter pour faire autre chose. Ouais, je vais prendre des recrues nobles et je vais en faire des archers gris du Pandore. Hein? Parce que là, je peux pas. Ça sert plus à rien de faire des chevaliers. Le temps que je monte en prestige, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais donc on va prendre. On va essayer d'en prendre 50. Je passe à 352. Et le but, ça va de se faire. Se faire 50 archers gris du Pandore. Le petit objectif. Bien! On y retourne, je vais sauvegarder. Je vais retourner à l'aria tout de suite. Je vais jeter à manger. Hop, hop. Je crois que j'ai bien fait de faire demi-tour, tu vois. Ok, eat back, leave. On va s'arrêter sur les villes en chemin, les villages, pardon. Supplice. Ok, pas mal. On recrute? Oui, non, mais attends, j'arrive tout de suite, allons. Bah, je que ça va foutre. T'inquiète pas. Ah, je te jure. Ok, on va aller voir Pointsbreak, mais... C'est un coup du bis sans troupe, je crois. J'en ai que 348. Non. Non, c'est pas, c'est pas. Je sais pas si j'aurai si j'aurai un jour de quoi assez de prestige pour les prendre. Parce que là, franchement, je sais pas du tout les points de prestige. Sais pas. Je sais pas comment on les a, je sais pas. Alors. 840. Alors le gros, ce serait quoi? Des manatins. 142 archers. Des footman. Footman, est-ce que c'est bien du footman? Je pense pas. Hein. De toute façon, c'est classé par puissance. J'ai vraiment l'impression que c'est classé par puissance, donc bon, de toute façon, on va pas. Je sais, ouais, je suis un peu. Je sais pas. Non, fous-moi la paix. Je garde mes prisonniers. Si tu veux des prisonniers, t'as qu'à t'en acheter. Et hop, just do it. Puis on y va. On va voir. Écoutez, ça passe, c'est bien. Ça passe pas, c'est bien. C'est bien, mais moins. Là, je voyais pas mon visa. Allez, c'est parti, les gars. C'est l'avant-dernier château, l'avant-dernière ville, l'avant-dernier fief. Après c'est le GG ultime. Quasiment quoi, bon il va. Après je sais pas si j'irai jusqu'à chasser les derniers seigneurs, tout ça. On verra. Là, je crois qu'on a déjà bien bossé sur le mode. Ah quoi que ce serait con de s'arrêter là et puis de pas avoir l'écran de victoire, je pense qu'il y a un écran de victoire quand on a tué toutes les autres factions. Bon, on verra bien, on n'y est pas.
Le problème, c'est qu'on a beau en tuer, il y en a 800. Ça va être long. Hein. J'ai plus de flèches. Faut que j'aille. J'ai essayé de choper un carquois de flèches là-haut. Il y en a un là sur la gauche. Si vous le voyez, tiens. Regarde, il y en a qu'une. Tiens, il y aurait pas son carquois? Tiens. C'est bon ça, livraison à domicile les gars. Encore mieux que Pizza Hut, sérieux. Dame Ned. Ouais, j'ose pas charger. Hein. D'habitude, je charge plus rapidement. Mais là, je voudrais vraiment qu'on mette le maximum de chance de notre côté. Je sais pas s'il est vivant. Ouais, il est vivant. Il bougeait vraiment pas. Ils ont tous des boucliers. Ça va devenir compliqué. Bon, bah écoutez... Allez. C'est parti. J'ai chargé avec tout le monde, hein, même avec les archers, comme ça les Oscars. Là. Bon chat. Hey, c'est parti. Hey, même pas peur. Moi, oh, puis ce bug avec ma campagne militaire qui se transporte. Pourtant ils sont tous contents de m'avoir comme général, on a 100 relations avec tout le monde. Je pense pas qu'il y ait réellement de raison pour qu'ils viennent pas. Je suis sûr que c'est un bug. Des armures lourdes. Ça va se calmer, ne vous inquiétez pas. On a bien regardé les trucs avant de venir. Ils viennent pas rouler en fait. J'aimerais bien savoir. Je vais aller à droite. Je vais pas aller à droite du tout, je vais reculer tranquille. Hop là. On se replie. On se replie. Écoute. On se replie, on revient, on les bourre à la flèche. On se replie. Ouais. Donc moi j'ai eu 20 morts et lui il a eu 203 morts. Ouais. C'est comme ça que ça marche. On attend jusqu'à demain pour récupérer nos troupes. Le seul truc qui m'inquiète c'est l'armée de Vanskeri. Là, il y a 1700 connards qui se baladent. Imaginez qu'ils viennent m'attaquer. J'ai perdu Rain, j'ai même pas vu qu'il est assiégé Rain. Bon. Non bah c'est super, l'autre je lui donne un fief, il est même pas capable de s'en occuper quoi. Non mais sérieux. Ah tu vois, je suis pas content, sincèrement. Fait chier avec l'étal d'Iran, il a même pas de troupe du Noldor et en plus il se fait carotte son fief en une semaine. Et à côté de ça, c'est encore à Tonton Krook de se déverder pour tout récupérer. Parce qu'il y a personne qui vient en campagne militaire avec moi. Voilà. Ah bah nignon, voilà comment que je suis entouré par des bandes de trous du cul.
Vous voyez à quel point la qualité de ces troupes a déjà baissé? À quel point, regarde, le log, comme on est en train de les déboîter. On a déjà tué 63. Ça allait pas si vite tout à l'heure. Là, je vais te dire, ça déconne pas. Hein. Non, j'ai bien fait de me replier puis de revenir. Même si le loot sera moins intéressant, machin. C'est pas grave. Attends, je vais essayer de me faire ce qu'il y a sur la tour là-bas. Du bon petit headshot des familles, ça se passe très bien. Oui. On y va. On va tenter la charge. Si ça passe, on continue. Si ça passe pas, je ressors. Je me replie. Allez, c'est parti. Alors, fais voir un petit peu. Déjà, voilà, tu vois, c'est plus... Tout à l'heure, c'était grosses armures, des visières, tu voyais à peine les yeux du mec. Voilà, c'est là. Là, on arrive sur le gros, c'est les man-at-arms, c'est ça qu'il y en a le plus. C'est ça qu'il y en a le plus. Mais fais des phrases un peu plus construites, un peu plus... Quoi? C'est ça, c'est qu'il y en a le plus? Bah ouais, bah je te... Bah attends, je vais me prendre, mon gars. Allez, on combat jusqu'à la mort. Eh bah, tu vas pas combattre autant. 344 en état humain. J'arrive à aller sur la droite. Je pense que je peux les nettoyer là. Ah, regarde, c'est des mélitines, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mélitines? Mélitines, ça me dit rien. Mélitine Arrow. Qu'est-ce que c'est? Arrête de faire des coups d'estoc là, c'est de la merde, tu le sais quand même. Alors. Oh. C'est quoi ce coup de lag là? Renfort? Même pas. Bah alors. Tu peux plus toi. Ah si, il y a eu des renforts là, attends. Ce qui m'arrive dans le dos là, si si. Donc du coup ils arriveraient par ici les renforts là. Ouh, oh là là, ah je l'ai vu arriver, j'ai paré, mais j'ai dû être interrompu par une flèche, une connerie comme ça. Ah, je l'ai vu me descendre sur la bouche, la hache, mais pff, impossible de faire quoi que ce soit. Oh là là, c'est la fin. This is the end. C'est à cause de lui, saloperie. Oh oui, il y a eu du renfort. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que je me casse un peu loin et que j'arrive à me replier. Parfait. Oh, j'aurais peut-être pu tenir, mais c'est pas grave. Mes relations avec l'étal d'Iran, ce sont... Qu'est-ce qui se passe? Je perds du renom, de l'honneur, du moral. Non, mais n'importe quoi. De toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous emmerde tous, quoi, tous. mes vassaux, quoi, enfin, je veux dire... J'étais tellement content d'avoir mes Noldor, tellement content. Et ils m'ont brisé mes rêves en quelques secondes. Ah bah là du coup oui ça va voler. Hein. Là, Eh ben, casse tout, non mais, vas-y, pète tout. Google.
Ils ont pas de bouclier les mecs là-haut? Mais lol. Bah attends, je vais peut-être en tuer en fait. Le mec ils sont en mode... Moi aussi ils ont des boucliers. Ouais, ils ont déjà tué tous ceux qui n'ont pas de bouclier en fait. Allez, Svordi! Svordi, Svordi. Ouais, Svordi. T'inquiète pas, Svordi. Ouais. Lui je peux me le... Ouais. Oh, dommage. T'en as combien là? 82. Mais vous savez qu'il y en a encore 400? Ils sont déconnés. Il y a encore 400 gobelins à se taper, c'est un truc de fou. Sans déconner, c'est de la folie. Dommage. Ok, on va les laisser monter tranquille. C'est pas un carquois ça? C'est que des boucliers. Ah bah voilà, une petite dizaine de flèches. Super, ce beau petit shoot là. Par contre, ce coup-ci, il faudrait que je monte sur la gauche. Parce que les renforts arrivent par la droite. Non, j'en reviens pas d'avoir perdu autant de... Je pensais juste perdre un petit peu de renom ou de morale, tu vois, une connerie comme ça. Mais enfin là, j'ai perdu des points d'honneur et tout. Quoi. Juste parce que je me replie entre deux phases d'assaut. Imagine le jour où je fais un fuck à un seigneur adverse. Ouh, alors là, oh putain. Ah, t'es déchu de tes titres et tout. Les mecs, ils te jettent dehors. Hein. À branler. J'arriverai jamais à monter, c'est pas possible. Bon, puis alors, je me replie pas, parce que, je vous dis, la prochaine fois que je me replie, mais même mes vassaux, ils vont me taper sur la gueule. C'est sûr. Mais ce serait bien que l'étal d'Iran me tape sur la gueule, tu vois. Histoire que j'ai une bonne raison pour le bourrer. Ce traître. Il était censé me ramener une armée de Noldor. Pourquoi il me ramène des Ravenstern à la con? Bon, on a encore une... Petite chance que son armée personnelle ce soit des Noldor. Verra bien. Bah, si il décide à se pointer un jour ou l'autre, là, parce que bon. Pour l'instant, j'ai surtout l'impression qu'il a décidé de rien foutre. Ouais. Ah, j'ai reçu des renforts, c'est bien. C'est bien. Avec Rook, ça veut dire que t'as eu des pertes. Non, 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 poussez pas devant. Non. Oh, les enfoirés, mais non. Eh, tu sais qu'on arriverait... Non, mais on arrive aux 800, en fait. Que genre 200, 200, des 400, ça fait déjà 660, 760... Je sais pas s'il va avoir des renforts en fait. Peut-être un petit peu à la fin, mais mais en fait on est à la fin. Ça a été beaucoup plus vite que je pensais. Donc ça va, Ravenstern avec ses 900, ma foi, c'est jouable. Hein, c'est jouable. Ce serait franchement mieux que sur le dernier fort on puisse avoir toute l'armée, quoi, histoire de faire une belle campagne militaire, tout ça. Mais bon, après moi s'ils viennent pas, je vais pas y passer la semaine non plus. Hein. J'ai pas l'intention de m'éterniser sur ce let's play, dit-il au bout de 160 épisodes. Ok, voici. On va les laisser finir tranquillement.
Je vais pas les stresser, ça sert à rien. Bon, et par contre, ce truc-là, je vais le donner tout de suite à l'étal d'Iran. Ça va peut-être changer un petit peu la donne. Peut-être qu'il y aura une garnison de Noldor, peut-être. On sait pas. Hein. Le mec, il tryhard. Hein. Je veux mes Noldor. Et Noldor, si je t'attrape, je te mords, bien évidemment. Non, Noldor, si je t'attrape, je te mords. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Si, je commence à avoir des viewers qui ont un peu de bouteille, ça devrait vous parler. Ok, c'est le GG. C'est GG. Ouais. Oh, il est magnifique. Et donc, l'état de dire. Il n'a pas de chiffre. Gobur is awarded to Lord Lethal d'Iran of the Honor of Ravenstern. Il a jamais été un Ravenstern, ce mec. Ok, bon, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo afin qu'on soit de plus en plus nombreux dans le Krougistan à apprécier cette aventure. À demain.